Le rouge, les néons bleus et rouges partout. Tout le nuancier Pantone. C'est le jaune. Le jaune des lumières, le long des petites rues, le soir. L'odeur d'une sauce soja incroyable, hyper chère avec une étiquette dorée que je ne saurais jamais retrouver. L'odeur des yakitori le soir. Le shoyu, la sauce soja. La sauce soja, forcément. Ah ouais, si. Une friture de cartilage de poulet. Je recommande pas, j'ai pas aimé du tout, mais c'est la vie. Bah, la tempura, c'est mon plat préféré. Voilà. Curry, un bon vieux curry de là-bas qui fait office de kebab. La dernière fois que j'y étais, j'ai pris grand plaisir à aller manger un bon tonkatsu. Moi, c'est wagashi, pâtisserie japonaise. Kawaii. Underground. Bouquet. My God. Bon, exotisme, vitalité et mixité au sens vraiment on trouve de tout à Tokyo. Pas de signalétique, ça fait trois mots. Si. Tokyo c'est trop court surtout, c'est trop court. Un disque très très rare que j'ai passé des années à chercher en France et que j'ai trouvé au bout de 10 minutes de recherche à Tokyo. Non, c'est impossible. J'ai 2 x 23 kilos, je gave les valises. Non mais juste un souvenir à ramener, je pourrais pas en fait, je suis vraiment désolé. J'en ai trop. Je me dis, tu vois, j'ai trouvé ma femme là-bas, mon boss là-bas, j'ai trop de souvenirs. Amène tes oreilles, c'est terrible. Un fanzine porno de la scène underground manga du Tokyo. Oui, ouais, elle est très 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 bien. Oui. Un seul souvenir, c'est dur. Oh,